Bonjour à tous nos amis de la santé, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes lundi matin, 18 novembre. Un peu de poche sous les yeux parce que j'ai pas très bien dormi. J'espère que ça va passer pendant la journée. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, quelques mots sur notre programme de convalescence post-cancer, post-oncologie. Dans la médecine actuelle, les traitements du cancer ne cessent de s'améliorer. C'est-à-dire que les chimiothérapies vont être beaucoup plus précises, beaucoup plus personnalisées, la radiothérapie aussi est focalisée sur un endroit précis, la chirurgie est moins invasive, c'est-à-dire qu'on va essayer d'enlever le moins possible. On développe aussi l'immunothérapie qui est une nouvelle médecine très prometteuse. Donc on a des traitements de plus en plus efficaces, mais qu'est-ce qui se passe une fois que le patient a vaincu la maladie? Ces traitements dont je vous ai parlé peuvent être assez importants et avoir des conséquences, des effets secondaires sur le corps. Le patient peut être affaibli psychologiquement et physiquement. Une chimiothérapie parfois peut entraîner des pertes de sensibilité, etc. Donc ce qui fait que le patient quand même, il faut qu'il ait le temps de se remettre. Et aussi le risque c'est quoi? C'est les rechutes. Donc nous avons développé avec nos médecins un programme pour aider les patients à se remettre d'un point de vue psychique et aussi d'un point de vue physique, à permettre au corps de se détoxifier. Une chimiothérapie a aussi est très, très chimique, elle est nocive pour le corps. Donc l'idée, c'est quand même d'essayer de faire sortir ces produits toxiques par des perfusions ou par divers traitements afin de se remettre, d'apprendre aussi à vivre peut-être différemment, changer sa nutrition, activité physique. Enfin, c'est un tout qui doit être peut-être revu pour permettre au corps humain et aux patients de se libérer de ce par quoi il est passé et aussi afin d'éviter éventuellement que le problème réapparaisse. Car c'est aussi un des risques avec le cancer, surtout dans les premières années qui suivent la rémission, c'est vraiment de tout faire pour protéger le patient afin qu'il reste en bonne santé. Donc nous avons une équipe de physiciens autour de nous qui vont entourer le patient de la meilleure manière possible. On a des programmes qui durent environ 6 jours et on aide vraiment le patient pour être sur leur meilleur chemin possible après cette situation qui est quand même assez lourde. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour de plus amples informations. Vous pouvez aussi aller regarder sur notre site internet où vous avez la description du programme et tout ce qu'on propose. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour avoir d'autres updates et différentes nouvelles médicales. C'est toujours un plaisir de parler avec vous et j'espère vous retrouver bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!